policier ça qui c'est lui Willor, policier agent USGPN bandit lourdement armé kidnappé hier dimanche matin bonnet na matin côté yo kidnappé monsieur na niveau Matissan selon information yo mais lui Willor, policier ça qui dans unité USGPN li était fait partie 19e promotion la police non monsieur habité Carrefour c'est là exactement et sur route Matissan pour mener Carrefour pour mener na Port-au-Prince et mais c'est là bandit kidnappé monsieur hier matin dimanche dans bien bonnet dans matin dans niveau Matissan nèg avec gros âme nan men yo l'autre information toujours nous pral garder causer et ka kidnapping nous songer ça fait plus passer une semaine depuis nous té ba information ça deux frères ça qui t'a sorti Tigoua avant bandit té kidnappé dans commune Gressier bien Hudson nous dit samedi qui té 4 septembre dernier bandit té enlevé dans commune Gressier deux frères nan qui t'a sorti Tigoua avant pour té rendre dans Port-au-Prince yon la tous les frères ça puis grand monsieur relé Hudson Fulgens et petit frère relé Vernon Fulgens mais les bandits ont été kidnappés monsieur ça ont été demandé $800,000 américains pour être capable de libérer monsieur ça selon sa proche famille lui-même n'était fait connait après 8 jours yo passé dans mes ravisseyo nous apprendre samedi qu'il est même été 11 septembre là ben yo libéré grand frère n'a parlé de Hudson Fulgens yo libéré monsieur contre rançon et petit frère qui c'est Vernon Fulgens li poko libéré li toujours dans main ravisseur d'après tout élément information je dis à la ka kidnapping yo qui va suspendre augmenter chaque jour qui passe dans société là et c'est parce que chaque couche en de pays même je saté autant sur président Jovenel Moïse dan, mais toute couche commence à refrapper dans question zag kidnapping yo en de pays question insécurité toujours question kidnapping toujours question insécurité c'est divers secteurs qui a fait des propositions pour capable résoudre problème insécurité ça notamment ka kidnapping yo qui a lissa allongé chaque jour plus gay si tu nous pas complice qui exmettait chargé gay dou façon bandi yo a prendre dans société à chaque jour bon Dieu mettez bandi a bay conférence sans cagoule lancer ultimatum et la trice quelques actions qui montré bandi yo à l'aise dans pays a dans sens sa porte-parole nous pas complice continuer exiger une assistance technique internationale pour venir résoudre problème de sécurité a plutôt challenge à quoi situation ça dépasse PNH là Ricardo Fleudor fait qu'on ait déjà écrit plusieurs institutions internationales pour faire demande ça. En côté dans micro Jean-Philippe Massé. Et nous-mêmes, nous n'avons pas complice matin. Nous réunis là pour nous faire le point. Sur premièrement, insécurité, nous pensons qu'il dépasse nous, qui prend le level dans le dernier jour, que nous-mêmes, nous ne pouvons pas contrôler, que aucun secteur en pays n'a pas contrôlé, aucun secteur politique n'a pas contrôlé, et même la police là a eu fait des cartes parce que justement, le problème a dépassé la police. Ça fait depuis environ deux semaines, depuis nous-mêmes dans nos complices, nous prenons, on s'arrête assistance technique. Nous prenons assistance technique, ce n'est pas parce que justement nous voulons blancs venir là. Ce n'est pas parce que justement nous avons volonté pour nous essayer international là. C'est parce que le problème nous dépasse. Je dis à nous regarder le braquage qui a fait. Nous avons regardé le nombre de monde qui a mouru. Nous avons regardé le kidnapping qui prend level, tête chargée. Nous avons regardé l'insécurité à tout. Qui prend l'autre level, non l'autre forme. Parce que l'on empêche les gens de jeter gaz, de mettre dans la moto, de mettre dans la machine, de faire l'occupation, sont formes d'insécurité. Et l'on demande aux autorités qui ça cause l'insécurité ça, à prendre pied concernant le pays. Et au dessus, c'est parce que justement, côté pour gaz, il y a des groupes gangs qui ont bataille là, et même monsieur ça a empêché gaz de passer. Mais nous-mêmes, nous avons un pinga avec le premier ministre là, nous avons dit c'est soit chef, c'est soit pas chef. C'est soit, comment dire ça, DG la police, c'est soit le diriger, c'est soit le pas diriger. Même si nous quoi problème dans le dépassé, quel que soit changé DG la police qui l'a, quel que soit changé premier ministre qui l'a, quel que soit changé ou venir avec un nouveau président. Si c'est même au statut, ça, si c'est même police politique qui n'a pas appliqué depuis des décennies, eh bien, pas chambre le résultat. Parce que police nous vient là, population perd confiance là-dedans, police nous vient là, il manque professionnalisation, il manque équipement, et police nous vient là tout, il y a ramification avec des gangs. Le point d'actualité à la samedi qui était 11 septembre 2021, différents acteurs défilés pour signer accord ça qui relait, accord politique pour un gouvernement, pour une gouvernance apaisée et efficace pendant la période intérimaire, la résidence officielle Premier ministre Lan, dans Delma 60 Musso, Premier ministre Ariel Henry fait connaître de qui m'acteur aussi en préal permettre au gouvernement intérimaire puis bien gérer institution étatique, yo, pendant Ariel Henry souhaité période intérimaire, l'IPALONG. En côté Ariel Henry, plus d'état dans micro collaborateur. Plusieurs ont souhaité venir signer publiquement devant la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne
l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire et je les félicite pour cela. Après une longue série de consultations et des rencontres avec divers secteurs de la classe politique et de la société civile, nous avons pris en compte des avis et commentaires émis par plusieurs organisations pour produire ce document final. Il servira de guide aux membres du gouvernement et à l'ensemble des forces politiques et sociales pour les mois qui viennent. Cet accord reprend la quasi-totalité des revendications légitimes et des recommandations formulées par divers secteurs de la vie nationale. Certains le trouvent ambitieux et prometteur, mais nous ne pouvons offrir moins à nos concitoyens qu'ils veulent nous voir engager notre vie sur la voie du changement. J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente des affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible, afin d'atteindre notre objectif principal commun qui est un retour à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques sur des bases nouvelles dans un environnement sûr et stable. Un premier texte avait circulé et beaucoup d'organisations l'avaient déjà signé. Dans le but de rassembler encore plus de concitoyennes et de concitoyens, j'ai accepté les propositions de nos compatriotes ici présents qui visaient à améliorer le texte et à le rendre plus clair. En son conséquence, les ajouts au texte précédent concernent principalement le mode de désignation des membres du conseil électoral provisoire, des membres de l'organe de contrôle et de suivi, ainsi que la procédure à suivre pour aboutir de manière inclusive et participative à un projet de nouvelle constitution qui sera soumis à l'approbation du peuple haïtien à travers une consultation populaire. 5h55. De l'autre côté, le Premier ministre a annoncé qu'il a parlé avec tout l'autre groupe qui a travaillé sous commission pour gérer la transition dans l'idée pour mettre petit pays à participer dans le changement pays. PM a profité à annoncer dans le jour qui a venu là, il a pris toutes dispositions pour mettre à quoi ça en application de côté Ariel Henry Namikou Alix Gauthier. Dans les prochains jours, les dispositions seront prises pour la mise en œuvre de l'accord, dont les différents organes prévus seront créés, comme je l'ai mentionné à tous mes interlocuteurs par le biais du dialogue et de la concertation permanente. D'autres compatriotes ont pris des initiatives et ont formulé des propositions pour la gestion de la période intérimaire. Je les félicite pour leur intérêt pour les affaires publiques. Je vais les rencontrer et discuter avec eux de la possibilité de faire taire nos querelles intestines et rassembler nos énergies pour regarder ensemble dans la même direction, celle de la transformation de notre pays et de notre société. Je ne désespère pas de les convaincre de la nécessité de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens de s'unir pour avoir la force nécessaire pour faire face aux périls qui nous menacent. Je souhaite qu'en nous attaquant au chantier de la reconstruction de nos institutions démocratiques, nous puissions réconcilier la famille haïtienne et trouver les voies et moyens d'une rupture réelle avec les pratiques anciennes. Notre pays a besoin de cette mutation qui est la condition sine qua non de la relance de notre économie et de notre développement durable. Tout le monde parle de rupture. Eh bien moi, je vous assure que la rupture commence maintenant. Voilà, déclaration Premier ministre payant qui c'est Ariel Henry. Justement, Premier ministre l'a écrit commission qui a cherché solution haïtienne non sous question ça et puis non à tout permettre que Mounio tendez ça qui dit dans texte à bon côté membre commission qui a cherché solution haïtienne dans crise non. J'en ai annoncé là Premier ministre l'a déjà écrit commission qui a cherché solution haïtienne non pour yon chita parler hier dimanche non. Une invitation commission appréciée mais proposer chef gouvernement mettez invitation pour ce jeudi 16 ou bien 17 septembre qui a venu la bande-garde et qui ça, commission lui-même lui dit non, réponse Alba avec Ariel, avec Premier ministre Ariel Henry. Commission qui a cherché solution, exacte solution haïtienne en crise, non. Monsieur Samuel Henry Satu, non, samedi 11 septembre 2021. Commission qui a cherché solution haïtienne en crise dans le pays, non, a traversé depuis trop longtemps, recevoir lettre qui pa gen date ou voyer pour lui sous couverture, yon email, non, soirée qui était 10 septembre 2021.
pour une rencontre avec Dr. Ariel Henry dimanche qui était 12 septembre 2021 qui donc hier dimanche là. Commission remercie en pile pour invitation si là, les apprécier opportunité ça qui rentrer dans cadre démarche li mené pendant 6 mois pour parler à écouter divers acteurs politiques et organisations société civile en Haïti tant coup dans diaspora. Commission disponible pour rencontrer mais malheureusement délai ou baliant pour ça li trois coûte li proposé jeudi 16 ou vendredi 17 dans semaine ça dans les capi bon pour docteur Henry nan Joussayo. Commission a profité rencontre ça pour coûter docteur Ariel Henry pour présenter le travail il fait depuis diverses organisations dans plusieurs secteurs te mandatés dans date 5 mars 2021. Genèse ak fondement démarche là. Méthodologie te appliqué. Vision avenir paysan processus l'emprunté. Ça te permet de vivre dans conférence citoyen qui te l'ouvri 17 JA qui ferme 30 août 2021. Date historique si ati accord politique entre divers secteurs société civile là ak divers partis et groupements parti politique. Désormais, accord politique 30 d'août qui signe et qui donc prend valeur légale, gain pour mettre plus passé 550 siati ak lot siati qui continue vini cap sorti dans province tant kou dans diaspora. Commission cap cherché une solution haïtienne dans crise dans pendant la tande confirmation jou ak lè ou choisi. Présenté ou monsieur Samuel Henry Satune salutation patriotique li. Bam gade kek non rapidement qui signe dans lettre ça, réponse que voye bay Premier ministre Ariel Henry. Alors c'est docteur Ariel Henry. Hier soir m'ta parlé avec une acteur cap corps et commission, li dit raison yo pas écrit Premier ministre puisque il a adressé avec docteur Ariel Henry. Bon là encore c'est n'a gère une table concernant invité journal là, l'a expliqué en détail pour qui raison qui fait pas mentionné PM nan aucun côté dans texte a parlé de docteur Ariel Henry. Mon qui ici en bas lettre réponse à commission, c'est gen révérend père France Joseph Cassius Église épiscopale d'Haïti, gen madame Monique Kleska comité de suivi du forum société civile, madame Magali Komodeni collectif artistes engagés, gen Myrta Desulmé forum haïtien pour la paix et développement durable et diaspora, gen révérend pasteur Jean Kizomer Duré Fédération protestante d'Haïti, maître Evans fils Fédération Barreau d'Haïti, gen madame Rose Thérèse Magali Georges collectif syndicat haïtien pour respect constitution Kouchako, gen maître Louis Joël Joseph plateforme organisation paysanne 4G contrée, gen madame Sabine Maniga plateforme organisation féministe, gen monsieur Michel Payan comité suivi forum société civile, gen maître Maxime Roni plateforme organisation haïtienne droit moun, monsieur Jacques Tête syndic empereur ou grand Wilfried Saint-Just allo vidaoumé communauté vaudou, mais moun ki signe comme coordinatrice commission la dan douken Magali Komo Deni. N'a toujours été sous dossier signature accord premier ministériel Henri gen maître André Michel qui signe accord ça dans nos secteurs démocratique et populaire qui expliquait accord ça d'après les reflété ensemble revendication population tant que différents massacres qui fait sous régime PHTK libération prisonniers politiques procès Petro Caribea procès maître Montfiguier Dorval pour ne citer ça seulement. Maître André Michel fait connaître raison ça qui fait secteur démocratique là signe accord si là on écouter la propice d'état dans Mikoalix Gautier. Le secteur démocratique et populaire a pris la décision politique et historique de signer l'accord politique pour une gouvernance apaisée et consensuelle de ces périodes intérimaires. Cela n'a pas été une décision facile. Et comme vous le savez, le secteur démocratique et populaire a pris naissance dans une dynamique de confrontation et de contestation politique. Et c'est pas chose facile, c'est difficile, c'est compliqué pour un mouvement politique qui a pris naissance dans cet esprit-là d'accepter de venir signer un accord politique. Le sénateur Carbière qui m'accompagne pour signer cet accord au nom du secteur démocratique et populaire, avec lui-même, nous pourrons poser un acte historique. Je remercie les milliers de militants, de sympathisants, les cadres et les dirigeants du secteur démocratique et populaire qui ont pris cette décision. Ce n'est pas une décision du directoire, c'est une décision
décision de l'ensemble de l'organisation. Nous te dit population, nous pas intéressé, nous pas aucune folie, mettez mon président à tout prix, nous pas gain aucune folie, mettez mon premier ministre à tout prix. Pour nous, seules les revendications de la population sont fondamentales, tout le reste est détail. Et n'a pas si encore politique ça, parce que nous te promettons diaspora, secteur démocratique là, te promettons diaspora, que la bataille pour que notre conseil électoral qui pourrait le faire là, il y a un représentant là-dedans. Comme dans encore ça, il est clair, il y a un représentant pour la diaspora dans la formation du CEP, nous signons un accord politique là. N'a pas si un accord politique ça, parce que nous te dit jamais, au grand jamais, nous ne laisserons de côté les revendications de celles et ceux qui étaient dans les rues avec nous. N'a pas si un accord politique ça, parce que dans l'accord politique ça, il dit très clairement, procès Petro-Caribé, procès massacre La Saline, massacre Belé, massacre Delma 32, dossier ça, il a avancé, il n'a pas campé. N'a pas si un accord politique ça, parce qu'il dit très clairement, le dossier de l'assassinat du bâtonnier d'Orval, nous ferons avancer ce dossier. Nous signons un accord politique ça, parce que nous dit, un dossier comme le dossier Petro-Caribé, d'autres crimes financiers qui ont été perpétrés dans ce pays pendant les 20 dernières années, c'est IRH Dermalog, c'est des dossiers importants, on ne saurait faire taire ces dossiers. N'a pas si un accord politique ça, parce que le dossier ça est là-dedans. N'a pas si un accord politique ça, parce que nous dit, population, il faut un gouvernement de consensus. Et dans cet accord, le Premier ministre et les signataires se sont engagés à mettre en place immédiatement, après la signature de cet accord, ce gouvernement de consensus. N'a pas si un accord politique ça, parce que, on dit très clairement, n'a pas ça, il faut un engagement qui prend pour établir la sécurité et casser les gangs. Et nous même mettons en place dans l'accord une cellule anti-gang et anti-terroriste pour combattre le groupe criminel. Nous acceptons si un accord politique ça. Voilà, maître André Michel, vraiment là, nous t'attendons là dans l'intervention, dans la résidence officielle PM, nan, qui c'est Musso, samedi 11 septembre, nan, côté maître André Michel, qui avance ensemble, raison qui fait que, et yo même dans cette démocratie populaire, si encore ça, nous t'attendons, yo, pas la peine pour que moi parle de yo, sauf que, et nous c'est gratimoun, nous sommes capables de comprendre maître André Michel, qui lui-même, et grand pile côté, le pesé, hein, le pesé, le mette, pis force dans sa labdi yo, en tout cas, mais seulement un petit rappel, nous songez, maître André Michel, dans cette vidéo qui était toujours dit, toute négociation mon affaire là, c'est avec M. Jean-Louis, Joseph M. Jean-Louis, et c'est avec Père Parisien. Bon, c'est nous qui comprenons ça, et puis bon, l'histoire, c'est ça fait, mon toujours dit, créons l'histoire par une gomme. Mm-hmm. Que bagarre l'offre, il fait? Il a toujours été comme ça, il n'a pas facile. Non, surtout avec la technologie. Là. On va au fait il y a 5 ans, 10 ans. Vous comprenez bon. En tout cas, et on a passé avec déclaration M. André Michel, toujours. M. André Michel, fait qu'on est dans encore ça, par le gouvernement bicéphale, c'est Premier ministre Ariel Henry qui a été pour mener bac payant pendant un petit bout de temps. Opposition qui n'a pas entendu lui sous choix président, qui la cause André Michel, qui la cause que vous-même, vous allez dans le gouvernement monocéphale. M. André Michel, l'autre fois. Seule concession qui fait, c'est à propos de bicéphale, monocéphale. Nous te souhaitons un gouvernement exécutif bicéphale. Nous arrivons à côté, c'est parce que Blanc a parlé. Les acteurs politiques et de la société civile. Tout le monde a tellement besoin de président, nous pas qu'arriver à faire consensus pour nous choisir un président. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale s'il n'y a pas de président. C'est parce que nous pas capables de faire consensus pour nous choisir président. Et comme en politique, faire un compromis n'est pas synonyme de faiblesse, faire un compromis n'est pas synonyme d'absence de conviction, nous fait concession, hein? Nous dit, en attendant le rétablissement de la présidence, eh bien bon, le conseil des ministres, sous la direction du Premier ministre, exercera le pouvoir exécutif. Nous signons un accord politique ça, parce que toute revendication populaire, population la donne, même si nous fait quelques rares concessions. C'est l'histoire qui jugera les actes posés par les hommes et femmes politiques. N'a toujours été sur dossier à Kosa, gain secrétaire général la partie fusion socio-démocratio qui c'est Rosemont Pradel qui signe à Kosa dans nos dipôt avec fusion et mais il fait qu'on est à Kosa c'est pour mes pas de faire une reconstruction pays d'Haïti secrétaire général fusion ouais à quoi à Kosa c'est un acte
qui est important pour permettre tout Haïtien vivre bien dans le pays à côté de ça pour jeune l'espoir dans le pays d'Haïti. Osman Pradel, dans le micro, Alex Gauthier. Nous-mêmes, représentants de la DIOPOD et représentants de la fusion des sociodémocrates, nous dit que c'est un honneur et c'est une opportunité qui présentait là, côté que plusieurs groupes politiques, par contre combien, parce que ça fait plusieurs groupes politiques, qui mettaient ensemble pour la première fois pour nous joindre un accord politique. Accord politique, ça, pour nous, c'est un départ, c'est-à-dire son premier pas vers ça que nous toujours appelé un projet national pour le pays d'Haïti. Plus de 200 ans d'indépendance, nous constatons que le pays ça retrouvé dans une situation extrêmement difficile qui fait la pitié, qui est appelée la pitié, en quelque sorte, de l'international, du pays et de tout secteur en le pays ça. Plus de 200 ans d'indépendance, nous pas arrivé construire Santa Cabrelé, un réel projet national, côté que nous-mêmes, Haïtiens et Haïtiennes, nous t'a vivre mieux en un pays ça. Je veux dire, Haïti se retrouve dans une situation de pitié, côté que tout le monde, depuis au palais de Haïti, eh bien, c'est la pitié, c'est la destruction, c'est Santa Cabrelé, l'échec total. Échec, je veux dire, c'est l'échec de toutes les élites de ce pays. Le pays d'Haïti pas marché pour arriver côté lié là. C'est nous-mêmes élites qui prennent des décisions en un pays qui menaient le côté lié là. C'est pour cette raison, vous pensez que à quoi ça, c'est un acte vraiment important que nous avons posé là. Côté que nous poser les premières pierres pour nous reconstruire en quelque sorte pays ça qui est Haïti à côté que nous dit un fond pays, un ensemble, nous met tout effort nous, toute force nous ensemble pour nous construire un pays côté tout haïtienne, tout haïtien qui vive bien, côté que tout haïtien, tout haïtienne pas décidé aujourd'hui à si porte la t'es ouvri pour nous quitter pays. Côté que le désespoir est campé en un pays ça, c'est le désespoir qui frappe toute jeunesse pays. Donc aujourd'hui à la son pas considérable que nous faisons une date très important qui 11 septembre qui t'est frappé les États-Unis. Voilà, son date historique vraiment 11 septembre qui t'est frappé les États-Unis, mais 11 septembre 80 et tout, on a changé ça à l'histoire. À l'époque, Jean-Bertrand Aristide comme père qui n'a question l'église à Saint-Jean Bosco. Et 11 septembre, ça l'a porté dans l'histoire, tout côté ensemble de l'opposition Alcien, encore avec Ariel Henry. Vraiment, la historique dans plusieurs façons. En ce sens-là, tu as sur la 7 qui s'y est dans nos unités qui a dit pas de faire qu'on ait ces moments pour concrétiser toute sa hauté qu'on dit pendant de l'année bataille menée dans le pays. En ce sénateur à croire, depuis après, si a-t-il encore ça, il y a déjà météo sous travail pour résoudre la question de sécurité sur tout territoire national. En côté, ce serait j'assène dans le micro Alex Gauthier. Jodia, c'est une opportunité. Opportunité pour nous concrétiser tout ça que nous t'es habitué à dire dans deux ans de bataille que nous menons. Camarade qui vient avant moi, il a déjà dit pour qu'il s'aille aussi encore. Mais Jodia, moi-même, m'a dit non, nous gagnons une chance. Haïti, ça qui finit la main. Nous-mêmes qui vivons tant qu'on rate, nous rentrons la caille, nous nous sautons seulement pour aller chercher un petit manger, pour nous faire une petite activité. Donc, je dis à nous une opportunité pour toute Santa Dio, pour nous commencer à jouer une solution ensemble. Pas seulement pour Sorel, pour Unité, pour Dirpod, pour Ben, mais pour nous tous qui voulons que le pays ça, les sautis côté lié à nous, Haïtiens, ensemble, nous allons comment nous allons sauter le pays ça. Trop que lié. Problème yo en pile. Avant hier, alors, l'an ou rencontre que m'de gagne l'on radio, il te pose une question, mais l'on fin signé à quoi ça, et qui ça? Et m'de répond ni, tout de go. Si nous fin signé à quoi ça, nous pas commencer travail d'abord ensemble pour question et sécurité ça, hein? Question plan pour ensemble, gouvernement, population, tout secteur, pour nous commencer déplacer le pays à sans que nous pas penser qui ça? Est-ce que m'ka passe Matisse? Est-ce que m'cal Jérémy? Est-ce que m'cal Okaï? Est-ce que m'cal Okap? Eh bien, c'est comme si nous l'avions même, nous suivions la tête. Daniel Sigak, qui se porte-parole, organisation Peuple Capilité, dit le saisit un des gars techniciens aquariel là, comme membre d'IRPOD. Porte-parole PL a fait connaître d'IRPOD crasé depuis quelques jours. Daniel Sigak fait connaître plusieurs membres de structure qui étaient déjà cohabités avec pouvoir pour assassinat Jovenel Moïse là. D'IRPOD là, t'es tout crasé en côté là, dans le micro Manet samedi. Moi, t'es parti pour une autre formation d'IRPOD. Donc, moi fonctionné là dans pendant un peu de temps. Donc, moi, même c'est moi qui dis devant le public là que d'IRPOD là, il n'est pas existé encore. Alors, moi, je dois expliquer. Pour qui ça, il n'est pas existé? Diopode te signifie
direction politique de l'opposition. Mm-hmm. Donc, direction politique de l'opposition. Maintenant, on va essayer de faire état des lieux rapidement pour voir. Je veux dire là, est-ce qu'il y a un pouvoir auquel s'opposer aujourd'hui? Vous sentez bon pouvoir là et Romanès qui méritait pour une opposition en face? Nous pas quoi ça. Nous pas gagner un pouvoir là qui méritait gagner une opposition en face. Et en plus, pour nous, au niveau de l'OPL, Diopod là, c'était un progrès qui était fait dans la démarche, dans la dynamique marché contré que l'OPL couait là dans un pile. Depuis plus de 3-4 ans que n'a promouvoir. Donc, la démarche marché contré, c'est aller joindre l'autre groupe politique, l'autre parti politique, l'autre secteur dans la vie nationale là, discuter et dégager une masse critique, et puis pour nous voir comment nous entendons nous dans le cadre d'un large consensus, dans le projet national de résolution de la crise. Gagné plateforme nationale secteur populaire haïtien ak allié lio tant que UNDH Mopan Fedofen annoncé yo signé accord premier ministre Ariel Henry pour qu'a gagne la paix stabilité en de pays mais pas pour partage gâteau d'après président Planspa Dieudonné Lérisson qui espérait accord ça ba premier ministre Ariel Henry occasion lancer un dialogue permanent de pays en mitacte yo pour jeune apaisement social, non? Sécurité en pays d'Haïti. Responsable à plan SPA souhaité avant longtemps gagner l'autre KIP pour élection organisée pour gagner un président légitime qui prend tête l'État. En côté, Dieu donne les rissons. Son groupe force réelle qui vient signer accord pour une gouvernance apaisée et pour gagner la paix dans le pays. Non pas venir signer accord pour transformer Haïti en un gâteau. Mais nous venons signer un accord pour Haïti qui prend chemin la paix, pour Haïti qui prend chemin progrès, parce que nous sommes des démocrates. Nous croyons qu'en tant que démocrates, il faut que nous chita pour nous dialoguer. Nous espérons que l'accord politique ça a permettre au Premier ministre Ariel Henry d'instituer un dialogue permanent entre tous les acteurs politiques dans le pays et représentants organisations de la société civile. Justement, pour problème sécurité nationale la capable adresser, pour gagner un apaisement social pour moun ka vivre dans quartier populaire yo, dans ghetto yo, dans commune yo, dans section communale yo, pour compatriotes nous qui dans grand sud là, au moins l'État va gagner des dirigeants qui gagne une petite conscience pour porter solidarité ba yo et pour mettre camper un plan de reconstruction du Grand Sud pour un conseil électoral équilibré qui inspire tout acteur confiance et pour nous aller dans l'élection pour le peuple a choisi dirigeant lio démocratiquement. Parce que nous croyons que pouvoir c'est le peuple qui baille. On a besoin de président, là c'est pas tout, à cotiser le peuple, à l'élection pour prendre pouvoir. On a besoin de députés, sénateurs, magistrats, Kazak, Azek, Lassebatou, Alkoutize, peuple là. Nous féliciter tout l'autre acteur politique qui te voit nécessité pour te paraffer à Kosara. Nous espérons PM Ariel Henry après disposition tout, après le fin publié à Kosara, à quoi politique ça, le journal officiel Le Moniteur, pour montrer peuple haïtien que le gagne volonté politique avec engagement patriotique pour enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse là, y abouti. Voilà, on tape côté intervention du Dieudonné Lérisson qui s'est une signataire à Corsila.